Donc nous allons faire une tentative, une deuxième tentative, puisque la première a été parfaite, avec donc une simulation de perte de contact du drone, c'est-à-dire je couperai la télécommande en plein vol. Je vais, tout à l'heure j'ai poussé le drone à 130 mètres d'altitude et une distance de 70 mètres horizontale. Là je vais pousser le drone à une distance de 100 mètres horizontale environ. Question altitude, je vais tenter d'atteindre les 150 mètres qui est le plafond maximum autorisé. Et puis refaire le back home. On va bien voir ce que ça donne. Et ben en avant. Nous voici donc sur la deuxième tentative d'opération fail-safe avec le drone. La télécommande a été coupée. Et là, donc, on voit, je l'avais poussé à une distance horizontale de 100 mètres et 150 mètres d'altitude, qui est le plafond maximum que j'ai programmé, puisqu'ici j'ai droit à cette altitude maximale. On voit là, il est monté à 151 mètres. Ça veut dire qu'il va falloir que je revoie un petit peu ce paramètre. Au niveau de distance horizontale, là, il vient de revenir ici. Il est au-dessus de moi, mais il est en effet très 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 haut. Donc là, il est parti donc dans sa descente.
On s'écarte un petit peu quand même. J'ai des belles rafales de vent là qui se sont déclenchées en cours de vol qui n'étaient pas trop prévues. Donc il descend à 2 mètres seconde. Et voici donc le bébé qui revient à la maison. Donc il stabilise bien son altitude à une vingtaine de mètres. Toujours sur le go home en fail safe, on le voit, hein, c'est notre en bas d'écran à gauche. Et là voilà, il passe en mode atterrissage, toujours télécommande coupée. Son petit atterrissage en douceur, hein, c'est parfait. Exactement au point donc où on l'avait mis à l'original. Et voilà. Le voici donc revenu. On voit bien hein, que le clignotement orange continue, qui signifie donc bien qu'il est en mode fail safe. Et donc les indications sur l'écran, donc au niveau de la télémétrie, qui indique bien donc qu'il a fait un atterrissage en fail-safe. Donc comme prévu initialement, le drone est monté à sa hauteur maximale, un peu plus que prévu. Je le montrerai sur la deuxième vidéo, enfin je ferai un mix des deux vidéos avec le portable pour la télémétrie. Puisqu'on est monté à 151 mètres, ça veut dire qu'il va falloir que je reparamètre un peu ça, parce que normalement j'ai fixé le plafond à 150 maxi. Et à une distance horizontale de un peu plus de 95 mètres, donc c'est également ce que je voulais. On a pu voir que ça bougeait beaucoup plus que prévu parce que la météo a évolué entre temps. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui était initialement prévu, on est monté à des vents au sol de 21 km/h, alors qu'au décollage, il y a 5 minutes, on était à des vents au sol de 12 km/h, donc c'est pas tout à fait pareil. Puis je suis monté après avec des vents d'altitude, d'après ce qui vient d'être annoncé sur l'application UAV, à des rafales de plus de 50 km/h et des vents de 25 km/h. Donc ça explique qu'il ait eu peut-être un petit peu de mal le bébé et que ça ait un peu plus bougé que prévu. N'empêche que il a fait son atterrissage en douceur, il est bien revenu à la maison, il est passé en mode automatique et il a fait sa descente, stabilisation à 20 mètres et ensuite il a atterri. Tout s'est donc bien passé.